Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement, on va essayer de refixer toutes les mousses. Parce que comme vous le voyez, toutes les mousses, elles sont là. Je les avais toutes fixées et ça n'a pas tenu du coup. Alors regardez, je vais vous montrer. J'ai été acheter ça, donc je sais pas. Un marteau et des clous semences tapissier à 14 mm. Je vais essayer de fixer tout ça, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça sera bien, pas bien, est-ce que ça va pas tenir, on va voir tout ça. N'hésitez pas à lâcher les gars un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, et puis à mettre des petits commentaires. Allez, bon visionnage. Putain mec, c'est quoi mon cardio en ce moment? Du coup les potes, je l'ai posé par terre, je vais mettre toutes les plaques, je vais tout mettre correctement, et après je vais tout clouer. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis masse colle, et en fait genre ça tient, vous voyez, ça tient, mais ça colle, mais encore celle-ci était pas trop mal collée, mais c'est... Ouais, c'est pas abusé non plus quoi, hein. C'est, ça colle mais c'est pas... Pourtant j'ai pris la colle la plus forte, enfin le double face le plus fort, hein. Voilà. Et pour ceux qui se demandent, ouais ça s'enlève plutôt bien après, genre regardez. Ça s'enlève plutôt pas trop mal. On va le remettre. Du coup les gars, c'est vraiment des toutes petites pointes. Alors normalement elle passe à travers. Ouais. Il y a un tout petit, il y a 3 mm qui dépassent. On va voir où on va les fixer, mais je pense que je vais en mettre 2 par truc. Hein. En vrai, c'est limite peut-être trop petit, en vrai. Oh, les voisins, ils vont me tuer. Quoi, je saigne? What the fuck, je saigne? Mais comment c'est... Ok, bon bah les gars, blessés, hein. Mais je me suis blessé comment? What the fuck? Bon, y a les mousses acoustiques qui auront du sang. Hein. Oh non, j'ai le seum, regardez. Putain, mais comment j'ai fait? En plus, je saigne beaucoup, putain. Je suis vraiment un bricoleur du dimanche. Du coup les potes, j'ai enfin fini de tout fixer, donc j'ai fait une grande longueur là. Donc on va remettre ça juste là-bas. Je pense que les voisins doivent m'insulter parce que je mets pas mal de clous. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que là il fait un peu nuit. Je mets à chaque fois au milieu, je mets un là, et là je mets à chaque fois un là. Voilà. Donc bon, forcément ça fait moins beau, hein, on voit des petits trous, mais au moins ça tiendra, au moins ça tiendra. Vas-y, je vais poser ça, je vais enlever celle-là et je vais remettre une deuxième. En fait, je viens de me rendre compte que je vais utiliser 18 mousses acoustiques, du coup j'en ai plus du tout. Enfin j'en ai quelques-unes, mais pas assez pour tout refaire. Donc bah, je vais attendre une autre livraison des plaques pour pouvoir avancer dans le projet, parce que là, bah, je sais pas ce que je vais pouvoir fixer en fait. Je sais pas du tout ce que je vais pouvoir fixer avec. Donc voilà. On va attendre la livraison et puis on reprendra après les vidéos. Du coup les potes, après pas mal de réarrangements, etc., je suis enfin arrivé à placer le grand mur. Hop là, donc on va passer juste ici. Et donc voilà. Donc là, vous voyez, ça arrive pile-poil au niveau de la table à peu près. Et ça va jusqu'au plafond. Donc après on va refaire une deuxième, mais beaucoup plus petite, avec seulement 2. Là j'en ai mis 3. En vrai, là comme vous voyez, j'en ai mis 3. On n'en mettra que 2, ça sera beaucoup plus simple. Et donc je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux que je les mette genre un mur là, avec un petit espace ici, un petit espace là et un petit espace au bout, ou genre vraiment un là et l'autre collé, et je sais pas. Je peux pas me dire, je sais pas trop, on va voir. Re les potes, du coup j'ai reçu les mousses, on a reçu le deuxième carton, donc on va pouvoir finir bah, les plaques ici, il y en a encore une dernière, donc on va normalement tout pouvoir finir aujourd'hui dans cette vidéo, donc let's go, j'ouvre le carton et on finit tout, et je vous fais une petite vidéo à la fin pour tout vous montrer. Yes! Et je suis bientôt déban les gars, dans 2 jours je suis déban Twitch, jeudi je suis déban. Du coup les potes, voici la deuxième ou troisième plaque, tac, oui. Hop là, ça donne ça. Donc en bas il y aura rien je pense. Boum, et là il me reste normalement assez de mousse pour en faire encore une dernière, voilà. 1, 2, 3, et la dernière, la quatrième. Et normalement il me reste une dizaine de mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et de 10, et normalement ce sera nickel. Vas-y, on se retrouve quand tout est installé. Aïe les potes, j'ai plus de scotch. Ah non, il me manquait ça. Du coup, on va, je pense, clouer directement. J'ai peur que ça tienne pas. Aïe, c'était pas prévu. Du coup, je sais pas trop comment on va faire. Je pense qu'on va juste clouer directement sur la planche. Mais bon, il y aura quand même une bande du côté, donc ça. Ah, quoi que. On verra.
Du coup, les potes, j'ai enfin fini. Je vais pas vous mentir, les gars, les voisins, ils sont prêtés de taper. Parce qu'en fait, quand je tape avec le marteau, ça fait un bruit mais phénoménal. Les voisins, en plus, on est en confinement, donc il y a tout le monde dans l'appartement qui est en train de taper partout. À droite, en dessous, genre, j'entendais. Bref, j'ai enfin fini. Donc là, il y a pas de scotch. Et en vrai, ça tient plutôt pas mal. Hein. Ça tient plutôt pas mal. Donc j'ai mis quand même 5 pointes. Hein. J'ai mis quand même 5 pointes par truc pour être sûr que ça tienne. J'installe tout ça. Et oh là là, ça va être nice. Ça va être nice, nice, nice. Du coup, les potes, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai décidé de coller les deux plaques. Donc ça fait un grand mur. Le petit défaut, je sais pas si vous voyez, c'est que les plaques, là, genre là, il y en a une là, horizontale, verticale, horizontale, horizontale, verticale. Il aurait fallu que je mette cette plaque là, ici, cette plaque là, là. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment, vraiment la flemme de tout changer juste pour ça. Donc ça va rester comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc il y en aura pas là-bas. Et là, j'ai mis deux petits panneaux. Je pense pas que c'est obligé que ce soit collé, je sais pas, peut-être que c'est collé. Là au niveau du rideau, je sais pas s'il sert à grand chose, honnêtement, je sais pas, je sais pas. Donc il va couper, en fait le but c'est de cloisonner pour pas que l'écho se répande tout dans cette pièce en fait. C'est vraiment pour, hop là, clutch le son. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc après là il y a le fond vert. Là il y aura sûrement un tableau, là je vais sûrement mettre un tableau, mais je sais pas quoi mettre. Là il y aura le tableau, qui sera juste ici pour fermer un petit peu. Donc voilà, ça nous fait une petite pièce qui est, je pense, pas mal isolée. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je vous mets des tests audio. Je vous mets des tests audio avant et après. Donc voilà, je vous mets des tests audio et puis let's go. Les gars, voilà le test sans les panneaux. Donc juste en bois, il n'y a pas les mousses acoustiques, rien du tout. Genre juste le test normal comme avant. Donc voilà au niveau du son. Et juste après, je vais faire un deuxième test. Donc juste en mettant les panneaux, sans les mousses, juste les panneaux. Et vous pourrez voir un petit peu la différence. Donc voilà, on va faire des petits échos. La 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 la. Oh! Ha! Yo tout le monde, voici le test avec les mousses acoustiques, donc je sais pas s'il y a un réel changement. En tout cas, je vais refaire les mêmes tests que tout à l'heure. Ah, ah, oh, oh, ah. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'écho. Je sais pas après non plus, les gars, il va y avoir une différence énorme. Voilà, faites votre propre avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup, les potes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube, et puis à mettre un petit commentaire pour voir si pour vous ça a changé ou pas l'audio. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Cocteau, ciao.